Voilà, passer en plein écran. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde et très heureux de vous retrouver. J'ai un petit problème, c'est que voilà, nous n'avons pas la possibilité de faire de la télévision YouTube. Récemment, Web TV 2021 a été massacré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons encore été censurés. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. La censure a frappé et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Voilà, je lance le direct. Voilà, suivant aussi sur le groupe RS119. C'est un peu compliqué. J'ai du mal à m'organiser, mais on va y arriver. Hein. Voilà, tac, démarrer. Voilà. Création de la diffusion en direct. Alors, je suis sur la page RX119, je suis sur la page du groupe. J'espère que. Pas la page, le groupe RX119. C'est la première fois, je ne suis pas très très performant dans le domaine. Voilà, mais on va y arriver. On va y arriver. Non, ça ne marche pas. Ou je dois améliorer maintenant mon truc. Donc voilà. Chers amis du groupe, venez sur la page. Voilà. Venez plutôt sur la page. Attendez, je vais modifier les choses. On va trouver des solutions. On va trouver des solutions. Voilà, page, deuxième page. Carlo Roberto Brusa, 19. J'arrive. Hein. Laissez-moi une minute. Là aussi. Et on y est. Voilà. Et là, on va. Papa, papa. Créer une publication. Paf. Voilà. Bon. Chers amis, rebonsoir. Nous sommes ensemble sur la page de Rex119 et je suis là pour vous dire que la chaîne a été censurée. La chaîne a été censurée pour le vidéo que je fais aujourd'hui à 14h. Pour annoncer la vidéo de ce soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, chers amis? Qu'aujourd'hui, le simple fait d'apparaître sur YouTube, c'est déjà quelque chose qui est très compliqué. Ça ne peut pas marcher, c'est très compliqué, et ils ne veulent plus. Donc automatiquement, même si je ne dis pas grand-chose, ça suffit déjà pour qu'ils puissent réagir et me bloquer. Donc c'est pour cette raison que je vous dis, chers amis, faisons tout le possible de rester en liaison. J'ai tâcheré et je vous informe que je travaillerai pour pouvoir, comment dirais-je, mettre en place un système différent de communication. Pourquoi? Parce que je vais utiliser des lives. Je vais utiliser des lives qui est une nouvelle plateforme qui permettra effectivement de pouvoir réussir à faire marcher le public. Et là, je ferai à nouveau des vidéos. Peut-être, je vais tenter même de mettre en place sur le site directement, une plateforme pour faire du live. Voilà la situation. Mais aujourd'hui, il est clair. Alors, je vous informe que Libération est en train de faire un article. C'est Libération, ne font pas de cadeaux. Sur Odyssée, nous y sommes déjà. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, même si Libé s'intéresse, c'est parce que 65 000 adhérents, l'argent que vous avez encaissé, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous faites, les actions, etc. Beaucoup d'intérêt, et ça me fait plaisir, mais je sais déjà qu'il y aura une tentative de déstabilisation. Le cabinet, l'activité d'avocat, l'association, est-ce que vous faites, vous avez touché de l'argent, vous n'avez pas touché, non, non, ben voilà, c'est, vous savez, c'est, tout est fait pour tenter de discréditer. Revenons à nos boutons. Alors, chers amis, je vous dis, j'ai fait une newsletter pour tous les adhérents de l'association. Et cette newsletter, je mettrai toutes les références. Demain, il y a le spécialiste de l'informatique qui viendra pour donner tous les nouveaux contacts pour que nous puissions recommencer. Et je recommencerai les directs dès demain. Je ferai tous les jours de communication de droit. Là, j'ai des questions. Je commence à répondre aujourd'hui. Je vais continuer à faire du droit. Je vous informe que la loi sécurité globale a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. On va en parler. Je suis en train de faire une analyse de tout le texte.
Je ne lâche rien, chers amis. Et je ne lâcherai rien. Pour raison très simple, c'est parce que, effectivement, ils veulent que je lâche. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, je suis très seul. Il y a mon confrère divisé, mais nous ne faisons pas le même métier. Lui, il fait l'avocat. Moi, je ne fais pas l'avocat. Je fais le président d'une association qui s'appellerait 119, qui est née depuis un an. Le 28 avril, nous allons fêter un an. Nous allons mettre en place des choses. Je vous dirai tout à l'heure ce que je veux faire pour les gens et pour nos enfants. Vous allez rester jusqu'au bout parce qu'il y aura des belles surprises. Donc, je m'en fous de YouTube, est-ce que je suis banni ou pas banni. J'aurai tous les moyens, je mettrai en place tous les moyens pour communiquer avec vous. Facebook est là, grâce à Dieu, ou grâce à qui, je ne sais pas quoi. Avec Facebook, je peux continuer. Et c'est la chose qui m'intéresse. Là, j'ai réussi à ouvrir la page aussi de mon Facebook principal. Donc, vous êtes sur la page REC 119. Il y a celles et ceux qui peuvent suivre du côté de la... du Facebook. Alors, REC 119 a été bloqué. On va pas pleurer. J'ai eu un petit coup dans la gueule parce que j'allais ouvrir le direct. Je vois avertissement, deuxième. Au troisième, ils vont me couper la chaîne. Je ferai tout possible pour l'avoir, mais j'avais dit que j'allais tout possible pour l'avoir, ne pas avoir le deuxième. Eh bien, je l'ai eu. Mais toutes les vidéos, chers amis, sont disponibles sur le site de REC 119. Et le replay fonctionne très très bien. Je vous le répète, demain, je travaille avec le formaticien pour que nous puissions ouvrir le direct directement sur le site. Vous n'aurez plus besoin d'aller sur YouTube, vous n'aurez plus besoin d'aller sur d'autres. Vous irez sur le site et je ferai les directs du site. C'est la chose très importante. Chers amis, je voulais dire que les déplacements que j'ai faits ont apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais m'ont apporté aussi énormément d'informations. Et je vais continuer mes déplacements. Je vais continuer mes déplacements et je ne m'arrêterai pas parce que j'ai fait tout le possible pour que le maximum de personnes puissent me rencontrer et moi je puisse rencontrer le maximum. Ok ? Alors, je voulais d'abord remercier Isabelle et Joseph. Isabelle et Joseph du Cantal, qui ont organisé avec d'autres, avec des gilets jaunes d'Aurillac, avec d'autres personnes, la manifestation qui s'est tenue le mercredi à Aurillac. Mais aussi, le soir, dans une auberge, dans la campagne, on a pu nous réunir, nous sommes réunis en tant que REC 119, nous avons fait une assemblée, nous avons voté, nous avons discuté, nous avons fait du droit. On ne lâche rien. On a un groupe fabuleux, on a un groupe fabuleux à Toulon, avec Loïc. Et j'embrasse très fortement Loïc, mais aussi Alain Tortosa, où j'ai lu son magnifique document sur la troisième vague, comique et répétition, que j'ai adoré. Donc, je t'embrasse, cher Alain, et je citerai des extraits que je mettrai en ligne. Merci Isabelle et Joseph pour le moment que nous avons passé. Merci aussi à la journée. Merci à Maurice. Merci à Samia pour tout ce que vous m'avez donné. Je suis resté jusqu'à 15h de l'après-midi. Après, je suis rentré à Paris. Le jeudi, c'était énorme. Je le dis à tout le monde, le 5-6 mai, je serai à Meurthe-Moselle. Je serai à Nancy, chers amis. Donc, rendez-vous le 5-6 mai à Nancy. Je serai le 11-12 mai en Saône-et-Loire. Mais je vous donne une info, je serai le 28 et le 29 sur la Côte d'Azur, pas en vacances. Je serai à Nice et Cannes, ou plutôt Nice, on verra bien, pour rencontrer tous les amis, les autres collectifs de réaction, les gens de REC 119 et les amis à Nice. Je serai le 28 et le 29. Je remercie déjà Déborah que j'ai eue, qui va travailler pour recueillir les personnes pour une rencontre qui doit être riche en échange. Je vous rappelle aussi que les élections régionales s'approchent et qu'il y a des listes qui peuvent être faites. Or, REC 119 n'est pas un parti politique. Pas d'ambiguïté. Par contre, nous allons soutenir toutes les listes. Toutes les listes où il y a la liberté, l'égalité et la fraternité. Et toutes les listes où on défendra les 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme. Les droits de l'homme, les droits qui sont bafoués par ce gouvernement, les droits qui sont bafoués par cette politique. Je viendrai à Marseille, il manque la date, donc je rappelle, 28 et 29, je serai Côte d'Azur. Je serai à Nice et Cannes. Peut-être même à Monaco, parce qu'il y a des adhérents à Monaco. 5-6 mai, je serai à Meurthe-Moselle, à Nancy. Le 11 et 12, je serai à Mâcon, mais je rajoute probablement Avignon ou Lyon.
Donc c'est pour cette raison que je vous dis que je ne passerai pas deux jours entiers à Mâcon, mais j'irai Mâcon, Avignon et Lyon. Comment je vais me diviser, je ne sais pas encore, on le verra. Ensuite, il y a Bordeaux, Toulouse et Biarritz, on est en train de travailler. Je répète que celles et ceux qui ont des collectifs, même s'il n'y a pas encore de collectif agréé, écrivez à Thierry et à Ricardo en utilisant le mail réaction 19 collectif afin de savoir qu'il y a un groupe 10, 15 ou 20 qui se situe là. Je suis prêt à rencontrer tout le monde. Je ne suis pas là en train pour dire je ne rencontrerai que les gens de réaction 19. Non, je suis prêt à rencontrer tout le monde. Naturellement, le lien, c'est réaction 19. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à m'organiser. Alice, vous allez vous heurter à Estrosi. Oui, Estrosi, il me connaît parce que j'étais l'avocat qui s'était battu pour l'enquiquiner sur son tramway métro. Donc, il me connaît, il sait très bien qui je suis. Et quand j'irai à Nice, effectivement, je n'irai pas empiéter sur sa propre vie, mais je porterai simplement ma personne concernant Réaction 19, donc pas de risque. En Alsace, j'ai déjà été à Strasbourg, à Moselle, à Montauban. En Alsace, je m'organiserai pour y aller aussi. Donc, je serai dans le Nord à Lille, à Montpellier, à la Guadeloupe et en Belgique avec Pascal Sacré, que je remercie encore pour tout ce qu'il a fait. On a donc neuf collectifs affiliés. Ce qui est très important, chers amis, c'est que je le répète encore, s'il y a des collectifs et vous avez envie de créer un collectif Réaction 19, prenez contact. Prenez contact, on est en train de travailler. On est en train de travailler sur le département juridique qui va travailler avec les collectifs pour aider au maximum de manière de proximité, indépendamment des questions que je traite. Je tâcherai de passer un peu partout. Je prendrai mon bâton de pèlerin, j'irai pas à Compostelle, je tâcherai de faire le maximum de villes. C'est pour ça que je me déplacerai en voiture pour que je puisse aller à droite, à gauche et retrouver. C'est formulaire de notification collective sur le site de Réaction 19, www.reaction19.fr. Donc c'est une importance capitale, c'est notre lien de communication, et adhérez, faites adhérer le maximum des gens. Nous allons faire une newsletter d'ici à la fin de la semaine dans laquelle je donnerai toutes les informations concernant l'évolution de notre communication au niveau des chaînes et au niveau naturellement. Nous avons le dernier collectif, c'est le Languedoc-Roussillon qui est arrivé, c'est François Champard que j'embrasse très très fort, et que j'irai voir naturellement dans les semaines à venir. Alors, je n'ai pas compris la date pour Lille, non, je n'ai pas encore de date. Je donne 2-3 dates, parce qu'au fur et à mesure, c'est très difficile d'hypothéquer des mois entiers, donc je donne 2-3 dates. Quand j'aurai éliminé, disons, Nice, Nancy et Mâcon, disons, vers la fin du mois, je donnerai les dates pour Lille, pour Bordeaux, Toulouse, pour Lille, etc. Mais laissez le temps. Laissez-moi le temps de pouvoir m'organiser, chers amis, très chers amis. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que n'utilisez pas, s'il vous plaît, il y a certains qui connaissent mon téléphone. S'il vous plaît, ne transmettez pas mon téléphone. J'ai reçu là énormément de messages. C'est très compliqué pour moi de gérer les messages WhatsApp que vous m'adressez. Si vous avez des questions de droit, je vais traiter les questions et je les reçois et nous traitons. Il faut laisser un peu de temps, mais s'il vous plaît, pas de SMS, pas de WhatsApp, parce que c'est très compliqué. Là, j'étais noyé tout le week-end, j'ai reçu énormément. Il y a même des gens que, sans mettre de nom, vous pouvez me dire ce que je veux, ça, en me prenant quasiment comme un larbin. C'est pas bien ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que quand vous envoyez un email, il peut y avoir de retard, mais nous allons le traiter. Il y a des bénévoles, il y a des personnes qui sont aussi rémunérées dans des prestations, mais c'est quelque chose de très compliqué de gérer tout. Et on fait des points. Là, il y a beaucoup de mails avec beaucoup d'angoisse. On sent quand même beaucoup d'angoisse, chers amis. Donc c'est pour cette raison que ce n'est pas facile. Les bénévoles, les gens qui travaillent, répondent au téléphone. Je vous communiquerai la semaine prochaine le numéro de téléphone de Réaction 19. On aura un téléphone qui permettra d'appeler le standard avec des personnes et ensuite on se mettra en ligne. Donc on va améliorer aussi l'accueil téléphonique. Il y aura un numéro attitré pour Réaction 19. Parce que maintenant on a un nouveau bureau qui est vraiment indépendant. Pendant quelques mois, on a partagé des espaces. Ce n'était pas facile. Maintenant, il y a un vrai bureau avec une vraie indépendance physique qui permet effectivement de gérer les problématiques de Réaction 19 avec
les bénévoles et les collaborateurs de Réaction 19, parce que Réaction 19 n'est pas faite pour mourir demain. Et donc, si on a un peu d'argent dans les caisses, c'est pas pour le manger, mais c'est surtout pour que faire vivre l'association encore des années. Il y aura une assemblée générale et tout ce qui doit être fait. Donc, en état de choses, on a un bureau indépendant, on va avoir un téléphone indépendant. Effectivement, je suis en ligne avec nous. Je voulais parler, donc, nous avons une cellule intermittente de spectacle qui est en train de se mettre en place avec Géraldine, et nous avons déjà reçu, concernant les médecins, une dizaine de médecins. La semaine prochaine, nous allons faire le recollement, et nous allons organiser une première conf-call en Zoom avec les médecins qui sont devenus, qui ont dit, nous sommes dispo, Carlo, pour travailler avec Réaction 19 et apporter notre concours. Merci beaucoup. Je remercie déjà cette dizaine de médecins qui ont répondu présent. C'est très important parce que les mois à venir vont être des mois très importants concernant la santé. Il nous faut une équipe. Il y aura des avocats, peut-être des avocats en dehors de CAB associé, pas peut-être certainement, parce que je demanderai à plusieurs avocats d'assister pour gérer la masse du travail. Et on aura besoin d'un médecin. C'est un travail énorme, chers amis. Un travail au quotidien énorme. Vous pouvez pas vous rendre compte, aller chercher un traducteur assermenté de l'Allemagne qui puisse traduire, qui puisse nous donner le maximum d'informations avec une dépense qui soit pas déraisonnable. Ce n'est pas facile de faire tout cela. Et c'est pour ça que les médecins auxquels je demandais leur apport vont devenir un vrai centre de réflexion pour apporter leur concours. Nous sommes en contact des avocats. Pour avoir les coordonnées, s'il vous plaît, vous avez sur le site, vous avez toute la liste des collectifs avec les coordonnées, avec l'adresse email et même le téléphone des responsables des sites. Donc, allez-y, mes enfants, sur le site, vous avez toutes les infos. Il suffit de cliquer, aller dessus, liste des collectifs, et vous allez voir tout. Donc, les médecins, je les remercie. Je vais organiser, semaine prochaine, si je peux, mais je pense que je ferai tout le possible pour, une conf-call avec les médecins pour fixer une sorte de relation qui est un peu nouvelle pour moi, parce que Réaction 19, c'est du droit, mais aujourd'hui, comme je fais des syllogismes avec la médecine, il me faut l'apport des médecins, comme j'en avais discuté avec Louis Fouché à son temps concernant OxyChild, et là, c'est important que maintenant, des médecins qui soient lié à Réaction 19 soit proche de nous pour pouvoir effectivement nous apporter le maximum d'aide. Donc, s'il y a d'autres médecins qui souhaitent participer à ce collectif de médecins de Réaction 19, c'est quelque chose d'important parce que s'il faut même discuter avec Réinfo Covid, avec les médecins prescrire, avec Violaine Guérin, Martine Voller, c'est bien qu'il y ait des médecins de Réaction 19 qui puissent échanger pour coordonner une activité importante. Donc, chers amis, on arrive, avant d'aller répondre, à proposer. Et alors, je vais vous proposer quelque chose de merveilleux. Pour le 28 avril, c'est la date de la première année officielle de Réaction 19. Première année officielle, très importante. Et j'ai envie de primer la fidélité. De primer la fidélité des gens. Et je propose, maintenant, pour tout le monde, d'adresser à Réaction 19, par l'utilisation d'une adresse email que je vais vous donner, de écrire quelque chose, un hymne, ce que vous voulez, ce que votre cœur vous dit, à la liberté. Un texte de 400 mots, c'est une feuille à 4, pas plus. Nous allons, avec les bénévoles ici, les lire. On va choisir les meilleurs textes. Déjà, il y aura 3 textes qui seront primés. Je vous donnerai les prix. Alors, les prix, ça sera certainement, on va décider, on est en train de discuter. Ça sera dès que la partie touristique va s'ouvrir. On mettra certainement un voyage avec une nuitée ou deux nuitées. On mettra un restaurant payé par Réaction 19 comme cadeau. Et on mettra donc ce type de, comme on appelle, des smart box. Il y aura 3. Le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix. Après, ces personnes seront invitées à Paris, à nos frais, pour venir à Paris et participer ici sur le plateau télévision de Réaction 19, même si c'est du Facebook avec un autre type de réseau, il n'y a aucun problème, pour venir sur le plateau et partager ensemble les textes et discuter de la liberté avec
un direct avec du chat. Donc, je répète, celles et ceux qui ont envie d'écrire 400 mots sur la liberté, vous écrivez ça par la main, à la machine, s'il vous plaît, et vous les adressez par la fiche, le mail qui va s'appeler réaction19prixliberté@gmail.com. Je mettrai ces informations sur mon Facebook dans toutes les pages. Je répète, réaction19prixliberté@gmail.com. Vous envoyez le texte sur la liberté en utilisant cette adresse email. D'accord ? Trois prix. Un voyage en vacances avec hôtel, un très bon restaurant ou peut-être avec nuitée et aussi un restaurant. Trois prix. Porter sur la liberté, le voyage, retrouver le plaisir de manger, retrouver le bonheur de se parler, de se regarder, et vous penserez à l'action du neuf, et vous nous adresserez les photos de l'hôtel, du restaurant, pour que nous puissions rêver. On trouvera les hôtels et les restaurants où il y aura l'hymne à la liberté, mes amours, l'hymne à la liberté. Deuxième contest, je ne savais pas du tout qu'on appelait ça contest. Et cette fois, c'est pour les enfants, mes amis. Pour les enfants, parce que j'ai reçu tellement de choses. Alors, je vous fais voir, voilà les beaux dessins. J'en ai trois là. Alors là, c'est Ambroise. Je suis vraiment moche pour Ambroise. Ambroise, tu aurais pu me faire un petit peu plus beau quand même. Zut. Et après, là, j'ai un autre. Pour Maître Broussa, je suis ma commençant petit point. Voilà. Voilà les dessins que je reçois. Alors, vous voyez, je suis en train de mettre sous plastique. Alors, je suis toujours moche. Hein. Alors là, les enfants me dessinent, mais Maître Broussa le meilleur. Mais qu'est-ce qu'il est moche, Maître Broussa? Alors là, c'est même un peu choquant. Ensuite, l'appareil. Alors là, c'est Mélissa, qui doit avoir 7 ans. Elle me fait, alors là, pantalon rouge. Alors, regardez comme je suis. Bon, je rigole. Je rigole, je trouve ça... je trouve ça... Qui me vend? Il me vend... Merci beaucoup. Il m'insulte en italien. C'est très gentil. Vous savez, maintenant, je rigole. Donc voilà, chers amis. Voilà les éléments. Voilà, pour les enfants, ce que je vous propose, c'est que les enfants fassent un dessin qui va s'appeler « Le masque et les enfants ». Le masque et les enfants. Vous pouvez, et là, le dessin doit être envoyé par courrier. Vous envoyez donc à RS119 par courrier les dessins des enfants. Et pareil, nous sommes en train de mettre en place des prix. Des prix, ça sera des jeux de société. Et c'est très important que vous le fassiez. Et il y aura un très beau cadeau. Je donnerai vendredi les prix. Je ferai vendredi une vidéo pour répondre à d'autres questions. Donc, envoyez par courrier les dessins. Réaction 19, 68, rue du Faubourg Saint-Honoré. 68, rue du Faubourg Saint-Honoré. 75, 08, 008, Paris, France. OK? Alors, attendez que... Il y a... Voilà. Je répète, pour les adultes, l'opération c'est la liberté, texte de 400 mots que vous m'adresserez par email à réaction19prixliberté@gmail.com. Et pour les enfants, le masque et les enfants, vous faites un dessin, noir et blanc, coloré, tout ce que vous voulez, et vous l'envoyez par courrier à réaction19 68 rue du Faubourg Saint-Honoré. Les trois plus beaux dessins seront primés, et on fera un mur avec tous les dessins des enfants. Et les enfants seront invités avec les parents à Paris pour venir sur le plateau de la chaîne de Réaction 19 et partager un talk show avec les enfants, discuter avec eux, visiter Paris. On n'est pas loin en plus du président de la République et du palais présidentiel, ça sera quand même très agréable pour les enfants. Et le voyage en train sera offert par Réaction 19. Voilà. Alors, pour écrire le texte et pour envoyer les dessins, la date que nous avons fixée,
c'est au plus tard au 15 mai. Comme ça, l'année, elle va être écoulée. Et jusqu'au 15 mai, vous pouvez envoyer le texte et vous pouvez envoyer les dessins. Voilà. Texte et dessin, 15 mai. 15 mai, je le rappelle, la date limite pour l'envoi des textes. Nous allons les lire au fur et à mesure. Mais vous avez jusqu'au 15 mai. Et les prix, le prix sera décerné à la fin du mois de mai pour que les gens puissent, le cas échéant, bouger. C'est pour ça qu'on le fait exprès, pour que les cadeaux ne soient pas des cadeaux qu'on mettra dans le tiroir, mais c'est des cadeaux qui pourront être utilisés. Alors, chers amis, j'ai fait le tour de tous les éléments que je voulais vous dire. Maintenant, merci beaucoup.